tellement stupide, my God. Ça ressemble tellement à la guerre de 14. Non, voyez, nous utilisons des canons de 18 livres, mais qui datent de la guerre de 1914, justement. Alors vous imaginez un peu, contre des chars avec leur blindage de plus en plus résistant, faudrait une force de percussion beaucoup plus considérable. Oh, mon colonel, je vous en prie, vous avez toute ma sympathie, croyez-moi, mais ces histoires de chars à canon ce matin, c'est au-delà de ce que je puis supporter. Excusez-moi. Oh, j'ai un peu honte, je vous l'avoue, pour hier soir, j'ai bu sans trop m'en apercevoir, mais ne craignez rien. Je ne vous imposerai plus ma présence encore bien longtemps. On a chanté, on a ri, y a pas de mal. Vous ne voulez pas l'offenser? Très difficile pour elle en ce moment. Une sorte de cul-de-sac. Pas d'argent, pas d'occupation réelle. Un milieu mal connu où elle n'arrive pas à s'intégrer. Alors vous comprenez une personne comme elle avec les exigences qu'on lui connaît? Oui. Et bien sûr. Elle cherche sa voie. Comme nous tous d'ailleurs. Cette guerre n'est facile pour personne. Ces deux petits gars qui sont morts hier, c'était un exercice de tir, Marie. Un simple exercice. Le sergent les avait laissés seuls un instant pour des raisons obscures que je ne suis pas arrivé encore à éclaircir. Alors les deux jeunes auraient utilisé une cartouche surpuissante. Enfin, apparemment, all right, pour voir le résultat. Canon a éclaté, évidemment. Quand je suis arrivé sur les lieux, ça m'a rappelé Neuve-Chapelle lors de la dernière guerre. Là aussi, les munitions nous faisaient souvent défaut. Alors, nous avions connu ça, l'obus qui éclate dans l'âme du canon, la mort des artificiers. Mais hier après-midi, c'était le même spectacle. Le même cratère, les corps déchiquetés, la pièce éventrée. Oh my God, Marie, c'était hallucinant. Vous les connaissiez, ces deux garçons? Non, pas vraiment. Vous savez, ils sont plus de 800 maintenant sous mes ordres. Ce qui m'a surpris... Autrefois, c'était la rage, all right, devant des morts comme celle-là. Nous ne ressentions qu'une seule chose, c'était la haine du Boche, l'envie de lui faire payer très cher la stupidité d'un pareil accident. Et hier... Je saurais vous décrire ce que j'ai ressenti. Le Mounier insiste pour que je téléphone aux parents des victimes plutôt que de télégraphier comme c'est l'habitude. C'est plus humain, sans dire, l'hommage de l'officier commandant. Bonjour, maman. Bonjour, ma chouette. Bonjour, tonton. Bonjour. Il va falloir que je fasse ça aujourd'hui ou demain. Ah, j'ai demandé à Deschênes, enfin au général Deschênes, de venir présider la commission d'enquête. Deux mots à lui dire, celui-là, sur nos procédures d'entraînement. Colette. Tu devrais venir à Valcartier jeudi. Le mess des officiers reçoit les dames. Ça me changerait de voir ton jeune visage là-bas. Je n'ose vous inviter, Marie. C'était déjà trop que de vous importuner avec toutes ces confidences. J'irai volontiers, mais jeudi, la Croix-Rouge tient une clinique de sang à Lauzon, je regrette. Mais Colette peut peut-être y aller, hein? T'as congé jeudi après-midi? Oh, sûr, tonton. Oh, est-ce que je pourrais emmener Denise Fortier? Ah, mais sûrement. Je demanderai au chauffeur de venir vous chercher. Hein? Oh, oui. Ah, ben, il pourrait vous prendre en début d'après-midi. Ça vous permettrait de faire du ski, si vous en avez envie. D'accord. Je sens que vous vous blâmez un peu. J'ai raison. Il me semble que vous êtes nullement responsable de cet accident. En êtes-vous tellement certaine, Marie? Oh, j'aurais donc dû. Hein?
Pardon, qu'est-ce que c'est? C'est votre thé. J'aurais donc dû emprunter des tasses de porcelaine à la cantine. On se brûle les doigts avec ça. Attention! Qu'est-ce qui vous arrive, Barbeau? Vous avez perdu vos bottines? Non, monsieur. J'essayais de tirer le prélord dans l'entrée. Mais comment vous faites le travail de l'intendance, maintenant? Le sergent m'a dit la job de Batman, c'est de tenir son officier bien shiny. J'avais fini avec vos boutons, ça fait que je me suis dit, il faut que mon colonel soit le plus shiny de toutes. C'est moi son Batman, ça fait que je prends pas de chance, le plancher avec, en white-don, pas de jaradondu. Ça suffit, Barbeau. J'apprécie vos bonnes intentions, mais nous allons nous en tenir à la règle. D'abord, vous frappez avant d'entrer. Salut militaire, comme il convient. Et laissez leur travail aux autres et portez vos bottines. Bien ciré. Hein? Tenez. Voici 5 dollars. Jeudi, vous irez avec mon chauffeur chercher ma nièce pour la journée des dames. Vous en profiterez pour acheter un plateau, enfin une théière convenable et la vaisselle dont nous pourrions avoir besoin. Oui, mon colonel. At ease. Mais il convient que nous ayons ce qu'il faut pour le thé, all right? All right. On dit oui, colonel, ou alors oui, monsieur. All right. Pardon, oui, monsieur. Ce sont les dossiers de Marcotte et Plamondon? Oui, monsieur. Dismiss. Je peux-tu vous dire quelque chose, mon colonel? Mais qu'est-ce que c'est encore? Il paraît que Marcotte avait rien que 17 ans. C'est ça que les gars disaient hier soir à Hutte des Chevaliers de Colomb. Il avait menti sur son âge pour s'enrôler. My God. Hey, c'est-tu correct? C'est-tu correct que je vous dise ça? Mais il faut me le dire, hein? Moi, je commence. C'est pas chez les frères à Sherbrooke que j'aurais appris ça. Je suppose que non, en effet. C'est une information dont je me serais bien passé. Très bien. Dismiss. C'est mieux de le dire, hein? Plutôt que de se ronger les seins après avec des jarrets d'ondus. Je vous remercie, mon brave Dismiss. Permission to leave, sir? Dismiss! Oui, s'il vous plaît, appelez-moi veuve Oscar Marcotte de Kapuskasing, Ontario. La mère des braves lambines ce matin, mon pauvre Simon. Je vois ça. J'ai le cœur tout à l'envers. Je trouvais que vous soupiriez fort aussi. Je me passerais bien d'aller à Lauzon ce matin. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, non? Bon. Ça marche plus. Vous savez, mon histoire d'hypothèque pour la maison. Tous mes beaux projets de travail avec M. Brochu, tout ce qui me rendait si fière. Ah, non? Mais je sais pas avec qui je pourrais en parler de tout ça. On dirait que tout le monde autour de moi est pris dans des problèmes encore plus graves que les miens. Ah, ben, il y a moi. Je vais encore abuser de votre patience. Déverser tous mes tracas dans votre grande oreille. Mais oui, mais ça peut vous faire du bien. Vous êtes toujours là à m'écouter, à m'encourager, à me consoler même. Ça n'a pas de bon sens. Il me semble que vous devez avoir autre chose à faire, à penser. Vous êtes jeune, vous allez... Oui, mais j'apprends beaucoup. J'aime ça. Puis c'est un peu mon plaisir, ça, ma nature. Écouter le monde, puis les faire rire un peu. Mais vous, là, ça n'arrive plus. Non, je vous fais plus rire pas en tout, là. Il est temps qu'on parte de Québec, hein? Dans l'auto, vous riez toujours. Créer des officiers agressifs et pourtant compétents, c'est une tâche encore plus difficile que d'entraîner des hommes, all right? Et en aucun cas, on ne doit tolérer de mêler l'expérimentation d'armes nouvelles avec la formation de nouvelles recrues. Calmez-vous, Rousseau. Mais les parents de ces petits gars, là, c'est moi qui ai dû leur parler. I see you, man. Si encore j'avais pu leur dire que leur fils était mort comme des héros au service de la patrie, passe encore, mais pas comme ça. Donc, nous ne pouvons plus continuer à entraîner nos hommes avec des canons de 14, même transformés.
Vous avez eu tort de téléphoner. Good grief, le bon vieux télégramme et la visite après. C'est la vieille règle. L'officier commandant ne doit pas s'impliquer. Faut retenir ses émotions. Vous savez ça, Rousseau. Autrement, c'est pire encore. Mort à l'entraînement, c'est tout de même différent. Nous fabriquons les canons de 25 livres le plus vite que nous pouvons. Les officiers aussi. En attendant, vous s'arrangez avec ce qu'on a déjà. Mais nous pouvons espérer reprendre l'initiative en 43. Peut-être en 42. You see, old man. Oh, je ne sais pas. Je ne sais plus si je suis en mesure de comprendre toutes ces choses. Peut-être que je suis devenu trop vieux, mon général. Stop that! Nous avons besoin de toutes les ressources. Nous ouvrons deux écoles d'officiers. Une à Chilliwack, l'autre à Brockville. Et vous, eh bien, nous transformons votre centre. Le T-45 devient le A-13. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'ai des milliers d'hommes à vous mettre entre les pattes. Vous devenez le centre d'instruction supérieur et avancé. Quand ils sortiront de chez vous, ces hommes seront prêts à affronter les Fritz. So you see, old man, keep your cool. Vos scruples servez-vous-en pour devenir efficace. C'est le meilleur service que vous pouvez rendre à tout le monde. À vous-même aussi. J'apprécie cette confiance, mais je ne sais pas si je pourrais... Je ne veux plus en entendre parler. Rousseau, je vous revois à Paul Capel en 1915, conduisant la charge à la baïonnette. C'est de cet officier-là dont j'ai besoin. J'étais bien jeune, alors. Vous n'avez plus le choix. Il est trop tard. Votre devoir, c'est de faire la guerre. Le sergent qui devait surveiller vos deux petits gars était allé pisser, tout simplement. Pauvre type. C'est pas une lumière, celui-là. Mais vous allez me le passer en cour martiale quand même. L'exemple va réveiller tout le monde. Oh, pardon. J'aurais donc dû. Pardon, mon colonel, j'ai oublié. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Votre thé, mon colonel. Mon général aussi. Votre fille, elle vous attendra. Votre nièce, elle vous attendra au mess après le ski. C'est-tu correct? Colonel, sir. Gentlemen. Tu es seule, ma belle enfant? Je suis contente que vous arriviez. Ton amie Denise n'est pas venue? Et non, elle avait une répétition pour la pièce de théâtre. Et aucun de ces jeunes gens n'a eu la galanterie de venir tenir un peu compagnie à une aussi charmante personne? Tonton, dis pas ça. Je me sentais comme un poisson dans l'aquarium, moi. À force de me faire regarder, je suis revenue rouge, moi aussi. Heureusement que le capitaine Wilmette était là. Vous savez le moinier? Le padre. Le padre. Ouais. Il est venu faire du ski avec moi, il est fin. On a parlé, puis ça m'a fait penser à autre chose. Ah, merci. Merci, Hector. Qu'est-ce que vous vous êtes raconté, tous les deux? Ben, il m'a parlé de vous, justement. De comment les hommes ont peur de vous. Oh. Mais que c'est correct, par exemple. Ah oui, vraiment? Vos hommes vous respectent, vous savez. Vous êtes un peu comme le père ici, le père de tout le monde. Il paraît que vous êtes terrible quand vous vous choquez. Tout le monde rase des murs dans ce temps-là, ce qu'il dit. Mais ça donne confiance. Moi, j'ai de la misère à vous imaginer choqué. Et c'est toi qui as raison, all right. Tonton, je voulais vous demander, pour Charles, vous savez le fils de Corinne Saint-Pierre? Et oui, ton petit ami. Kingston. Est-ce que c'est une bonne affaire, vous croyez, pour un garçon? C'est la grande école. Oui, la grande école pour les officiers. Pourquoi tu me demandes ça? Mais... j'essaie de comprendre.
Charles passe son temps à se plaindre, à dire qu'il veut plus y retourner. Mais il agit pas, il fait rien. Alors moi, je me suis demandé si... Kingston, c'est excellent pour la formation du caractère. Enfin, du moins, ce l'était dans mon temps. Ça, tu peux être assuré, hein? Un cadet de Kingston, le jour de sa promotion, c'est un homme qui sait ce qu'il vaut et qui sait où il va dans la vie. Peut-être trop, cependant. Je t'ai dit ça parce que c'est un peu ce qu'il faut que je dise, hein? C'est la réponse qu'un bon commandant se doit de toujours donner, all right? Mais le cadet de Kingston, lorsqu'il a vieilli, lorsque les années se sont accumulées, que forcément, il a perdu quelques illusions. Et ma petite Colette, toi qui poses toujours des questions si graves. Le cadet de Kingston, lorsqu'il approche la soixantaine, comme c'est le cas pour ton vieux tonton, t'as parfois un peu le vertige. Je sais pas si tu comprends. Ça dépend. Peut-être. La nuit dernière, j'ai rêvé. Et je sortais de la tranchée à la tête de mon peloton. C'était un corps à corps, comme en 1915, right? Et alors là, tout de suite, devant moi, il y a eu ce jeune officier allemand. Un garçon très beau. Et qui ressemblait un peu à Émile, tu vois. Blond. Avec ce même regard grave. Il me regardait. Alors je me suis réveillé. Et là, tout de suite, je me suis dit, mais... My God! Mais c'est la première fois que j'en vois un. Comment ça, la première fois? Oui, parce que à la guerre... Je ne sais pas si tu peux comprendre, mais... L'ennemi, il n'a pas de visage. On ne le voit pas. Même dans les corps à corps, tu vois, ça va trop vite. Et puis, de toute façon, on ne veut pas le voir. Voilà une des choses qu'on nous disait à Kingston, précisément. L'ennemi doit rester l'ennemi. Et c'est ce qu'il faut, ce que je répète aujourd'hui à mon tour à tous ces braves garçons. Ça doit être très difficile. Tu sais, ce jeune soldat allemand dans mon rêve, est-ce que ça n'était pas plus qu'un rêve? Un souvenir qui remonte à la surface après toutes ces années. Est-ce qu'il faut que je leur dise ça aussi à mes petits gars, que l'ennemi revient? Qu'on le reconnaît parfois la nuit, après tellement, tellement d'années. Vous avez tué des hommes, tonton? Vous? Tu sais, on est un peu là pour ça. Quand tu sors de la tranchée, il est trop tard pour avoir des scrupules. Beaucoup? Beaucoup d'hommes? Je lui dis tout ça. Soyez prudente. Au revoir. Notre mari est pris dans la tempête là-bas à Lauzon. Impossible pour elle de rentrer, semble-t-il. 14 pouces de neige. Les traversiers ne font plus la navette. Ah ben alors... Oh, non, rassurez-vous, on a pu lui trouver un petit coin dans une hutte au dépôt militaire. Elle vous salue et souhaite vous voir demain. Ah. Vous savez, les tempêtes de neige en mars dans ce pays, ça peut être très étonnant. Oui. Voilà. Comme je vous disais, le commandant d'Argentlieu arrive à Québec la semaine prochaine, envoyé très spécial de Gaulle. Élisabeth de Miribel tient à me faire participer à l'accueil. J'avoue que son assistance me gêne beaucoup. Ah, pourquoi? D'abord, c'est plein de querelles, cette histoire de Gaulle. Et puis, vous ne pouvez pas le mesurer, mais les factions qui divisent les Français immigrés ici, c'est... c'est proprement répugnant. Sans compter les Canadiens qui jettent de l'huile sur le feu. Par ailleurs, mon colonel... Tancred, je vous en prie. Il me semble que nous avions déjà convenu. Mon cher ami, je ne saurais vous dire combien je suis déchirée.
Je ne vous ai jamais caché mes opinions, n'est-ce pas? Jamais. Vous savez que l'objection de conscience, ça m'a toujours semblé la seule attitude possible. Mais quand j'apprends ce qui se passe en France... Vous saviez que Pétain vient de prendre toute une série de mesures contre les Juifs? Ah oui, vraiment? Ma situation est bien humiliante. Mais elle m'instruit. Elle m'apprend beaucoup de choses sur moi et sur les autres. C'est un peu le lot de tout le monde par les temps qui courent. Aider France libre, c'est peut-être la seule chose à faire. Il y a tant de réfugiés à dépanner, tant de secours à apporter à tous ces Français dispersés à travers le monde. Et puis peut-être un jour aider la France elle-même, qui sait. On m'a dit aujourd'hui, ma chère Geneviève, vous permettez, n'est-ce pas? On m'a dit qu'il était trop tard pour choisir, que les jeux étaient faits désormais, que je n'avais plus qu'à obéir, faire mon devoir. Renoncer à cette foi commune, que nous voulions inébranlable, car les mois pour la paix, contre toute guerre, si juste soit-elle. Ah, j'aurais peur en m'engageant de trahir un peu l'homme que j'aimais, vous comprenez? Oui, mais votre Karl, que penserait-il s'il était là aujourd'hui auprès de vous, dans le cours des événements actuels? C'est bien pour cela, cher Tancrède, que je vous observe tant. Ah, sans le montrer à personne, et oui, je vous épie, mon colonel. Je vous regarde agir, me demandant sans cesse, Karl ne ferait-il pas comme lui? Qu'est-ce qu'un honnête homme doit penser aujourd'hui? Vous saviez que je suis juive? J'entreprends ici ce soir l'écriture d'un journal auquel je vais tâcher de me confier le plus régulièrement possible. Mon projet n'est pas de faire de la littérature, mais d'essayer de suivre à la trace les événements et les jours, pour voir comment j'évolue dans tout ça, pour m'aider à réfléchir et à me sentir moins ballottée par les événements et les exigences de tout le monde. Charles! Je sais qu'il est un peu tard, mais est-ce que je peux entrer quand même? Oh, bien oui. Qu'est-ce qui t'arrive? D'où ça vient, l'uniforme? Le régiment des voltigeurs commence à recruter, alors je me suis engagé comme volontaire. Comme volontaire? Oui, c'est le résultat des dernières discussions de famille. J'avais décidé de plus te revoir, mais là, j'étais couché et puis... je pensais que fallait que je te dise où j'étais rendu, que je te devais au moins ça. Mais comment ça, les dernières discussions de famille?